Hello les haricots gigolos, c'est parti, c'est Evangel et on va continuer notre aventure sur Minecraft et donc on est sur l'épisode 4. Je pensais pas tenir aussi longtemps personnellement mais bon, pour le moment ça se passe easy, je me suis passé dans un bon endroit, il n'y a aucun mob, ça se passe vraiment easy money, double poney. On va pouvoir aller chercher eh bien, du diamant et tout le bordel mais pour le moment on continue un petit peu à s'équiper, à se faire de la bouffe parce que pour descendre dans les cavernes il va nous falloir de la bouffe, alors pour ça il va nous falloir... bien aussi du pain, donc on va se créer un petit champ, pourquoi pas, de toute façon un petit champ pour le départ, c'est obligatoire, c'est sûr qu'on va devoir avancer dans l'aventure, ben, disons, étape par étape, hein. C'est obligatoire, c'est sûr que des épisodes de 15 minutes par 15 minutes, ça va me prendre plus de temps que si je faisais des épisodes de 1 heure, mais bon, en même temps, je pense que 15 minutes, comme je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment le temps qu'il me faut pour pouvoir suivre une aventure à peu près correctement. Du moins une aventure du style Minecraft, je pense que je peux faire des espèces de 15 minutes, hein. C'est jouable, c'est pas comme si c'était un jeu avec un scénario de fou, y'a pas de scénario, y'a rien, c'est un vide intersidéral, c'est pour ça que je rajoute des musiques d'ailleurs. Parce que vraiment, sinon ça fait vraiment vide et j'aime pas. Je préfère qu'il y ait vraiment du son, des trucs intéressants, des trucs sympas, que ce soit sympa à suivre plutôt qu'un truc où ce soit vide avec un couillon qui parle et qui raconte sa vie comme un con. Bref, allez, on récupère tout ça. Oh, la canne à sucre, ça c'est bon ça. La canne à sucre peut pousser dans des régions aussi froides. Sérieux, elle peut pousser à côté d'étangs gelés. Bon, ça, je savais pas. Ça me semble un peu bizarre, mais bon. Pourquoi pas, je testerai après de la maison. Là. On va pas tester tout de suite. On va attendre. On va d'abord essayer de se faire... Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de vache dans le coin. Non, j'allais dire, je vais essayer de me faire un stuff en cuir. Enfin, plutôt des armures en cuir. Mais non. Non, ça va pas être possible. Il n'y a pas de vache dans le coin. Donc, je pense pas qu'il y en ait dans un biome neige. Disons qu'il y a juste des poulets. Donc, ça, on va devoir se démerder avec du poulet, quoi. De toute façon, c'est... Y a pas moyen autrement quoi. Ah merde la bouffe. Hop, on va vite s'en foutre plein de bides. C'est parti. Côtelette. Voilà. C'est bon. Ou creeper. je me fais. C'est peut-être la fin de l'aventure là. C'est bon. On a survécu. Tout va bien, j'ai géré la fougère. Bah, il y a ma maison, on gère. Tout se passe bien pour le moment, il n'y a pas de soucis. Bon. J'essaie de récupérer un peu de graines là. Mais bon, pour le moment, c'est pas très très productif hein, ma récolte. J'en ai même pas récupéré une seule là de graines, c'est un peu lamentable pour le moment. Allez, vas-y, mon petit Evan. Vas-y, mon petit Evan. J'ai bien trouvé une graine là. Ah, je crois que j'en ai eu là. Ça va, j'en ai 5. Je peux faire 5. 5 de blé, sauf le blé ça met beaucoup de temps à pousser, surtout si on n'a pas d'eau, et puis bon là on va se démerder pour en avoir, on va faire une production disons adaptée à la région, je verrai comment je vais produire ça, ça va être assez complexe, mais ça va être assez facile, enfin bref, ça va être assez complexe, mais ça va être, je dis n'importe quoi, ça va être assez complexe, mais ça va être assez facile, oui, oui, on sent que tu dis de la merde, hein. On sent que tu essaies de parler pour dire n'importe quoi, et t'y arrives bien mon gars, non, j'essaie de dire franchement des choses constructives et... bonne, mais souvent je dis de la merde. c'est mon problème psychologique, quoi, j'ai envie de vous dire. Ah bah tiens, on va pouvoir faire des vitres, ça c'est bon ça. C'est parti. Parce que j'aime bien aussi avoir des vitres, histoire de voir ce qu'il y a autour de ma maison. Là, à peu près 4 vitres, ça devrait suffire vu la taille de notre maison qui est tout simplement ridicule. On n'a pas besoin d'avoir plus, de toute façon, on va pas faire une cathédrale. Alors, allez, on récupère encore des graines. De toute façon, en pétant après du blé, on pourra récupérer des graines. Il va nous falloir aussi un seau, pour ça il nous faudra du fer, il faudra qu'on descende dans les cavernes. Merde, c'est vrai, j'ai pas pensé, c'est pas grave. Faire du blé sans pour le moment, bref, on prévoira quand même le truc au cas où il y aura de l'eau plus tard. Bon, je vais devoir un petit peu ah ouais bah tiens les graines, je vais l'amener près, je vais l'amener dans le poulailler lui, je crois que je sais pas, non bah non il y a un œuf. Ouais vas-y, fais péter, raboule tes fesses Jean-Claude, allez c'est parti, on y va. Oh bah tiens il y en a plein là en fait. Vous savez quoi en fait, je vais, ouais non vas-y on va les ramener, ouais, je sais pas, non je vais les buter en fait. Ça sert à rien, de toute façon mon poulailler va se reproduire tout seul. J'ai qu'à les ramener, récupérer les œufs. Puis enculer, hein. Y'en a à foutre. Hein. Fuck chicken! Voilà. Ça en fait deux en moins. Hop. On récupère leur feu bout. Hop. Voilà. Ça c'est fait. Voilà, plein de chicken en moins. Oh! Voilà. C'est n'importe quoi mais j'aime bien faire ça. Oh, fin. Mon plaisir.
tellement précieux, c'est ma bille. Seigneur des Agneaux, version porn. Bref, faut que j'arrête. Franchement, faut que j'arrête. Non, faut que je continue en fait, sinon c'est pas drôle, sinon c'est pas évangélique. C'est ça qui vous plaît de toute façon, je le sais. Alors, est-ce qu'ils ont envie d'un moment You want to touch you, tralala, with your children, you know, with your little chicken, yes, touch tralala. Oh yeah, ooh yeah, ooh yeah, yeah, yeah. Et voilà. Et voilà, petit chicken, tu comprends? Et voilà comment fait un petit frère. Cours d'éducation sexuelle par Evan Jed. On indirect live with your parents. Yeah. With your father and your mother. Bref, n'importe quoi. J'invente toujours de ces conneries, moi, c'est pas possible, c'est pas possible. Moi, je vous jure, dans la vie, des fois, le Evan Jed raconte ses conneries, des fois. Bon, c'est une heure du mat aussi, bon. Ça se comprend, les conneries de... Vers ces heures-là, c'est très très fréquent. Bon, au passage, je vais peut-être me mettre à faire mon chant de blé. Chant de blé, blablabla. Allez, c'est parti. Plein de petits chickens, ils commencent à un petit peu grandir, ça va être bon ça. Et on va se faire notre petit chant de blé, mais on n'a pas de ou. Voilà, donc c'est un peu con. Bon, c'est parti, on va se créer une petite ou. On va se la faire en pierre. Parce que bah on n'est pas des radins, voilà, on se la fait en pierre parce qu'on est des fous, voilà, c'est tout, on est des fous. Putain, on va devoir déblayer la neige, c'est parti. Hop. On va devoir faire juste une ligne, c'est. Bon, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, putain, quelle précision. J'ai sans compter, j'en ai déjà fait 6 de trous. Allez, hop. Hop. Ah, ça c'est la précision des trous, là, on reconnaît mon petit côté pervers. Ah, c'était drôle. Allez, hop, tac, tac. Allez, c'est moche, c'est pas symétrique. Voilà, c'est bon. Voilà. I like symmetry, you know. Toi aussi, tu kiffes la symétrie, t'as pas intérêt à t'approcher de ça, sinon je te bute, ok. Merci. Non, parce que des fois, il marche dessus, puis après, il te nique tes cultures, et c'est un peu le caca, après. Bref. Logiquement, ça devrait aller, ça devrait pousser, ça devrait être bueno. Alors, on va passer encore peut-être une dernière torche, là. Regarde, non, mais il marche dessus, ce con, il marche dessus, de toute façon, il va foutre la merde. J'en suis sûr, il va foutre la merde, il va niquer toutes mes cultures, ça va être génial. Bon, oh, mais putain, qu'est-ce que je fous, là? Ah, bon. Au passage, est-ce qu'on continue? On va peut-être mettre des barrières autour, en fait, ça nous permettra de... Putain, j'entends encore tousser derrière moi, ça m'énerve. Le mec, il pète des câbles. J'ai envie de construire ma putain de merde, mais ça tout autour, là. Mais je peux pas pour le moment parce que ce serait encore aller chercher du bois. Alors qu'est-ce que vous en dites d'aller encore chercher du bois pour se faire encore une clôture de 5000 km? Allez, c'est parti. Le mec il pose la question mais il le fait quand même sans entendre les réponses dans les commentaires. Rien à foutre. Voilà, ça fait moi je sais pas combien d'épisodes que je pète de l'arbre mais on s'en fout, c'est reparti. On va repéter de l'arbre, de toute façon c'est Minecraft. Hein. Je veux dire on pète des cubes. Et voilà, on survit. Pour l'instant vous avez eu un peu d'action, j'ai quand même combattu des creepers. Vous pouvez pas vous en plaindre. Ouais. C'était des combats magnifiques et intenses. Voilà. Et pour le moment, vous comprenez un peu que je... Mais s'il te plaît, hein. C'est pas comme si j'avais plus de place dans l'inventaire, là. Yo. Mais c'est quoi ce délire? What the fuck? Bon, d'accord. Ok. D'accord. Ok, pas de problème. Parce que ce serait une grande barrière, après. Donc là, on a encore un petit peu de... Bah tiens, on va pouvoir foutre des pouces, on a encore un petit peu de tronc de bois, donc on va pouvoir... On va encore placer du bois et tout, enfin bref, on a encore plein de trucs à faire. Bah tiens, il y a plein de... Hop, voilà. Le truc, je peux toujours pas le ramasser. Bon, ok, on va te faire enculer. Profondément même. Et tac. Et voilà, trop près. Voilà, ça c'est plus... Voilà. Plus réparti dans la surface. Voilà, ça c'est fait. On va pouvoir bientôt avoir une petite forêt à côté de la maison, c'est bon. Les poulets grandissent. Ça y avoir pas mal d'œufs, c'est bon si, parce qu'on va pouvoir faire éclore de nouveaux poussins. Bah tiens, avec 6, logiquement, on peut en faire apparaître quelques-uns. Hein. Logique, on va péter la neige, parce que généralement, si on les fait apparaître dans la neige, ça marche pas. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Allez, c'est parti. Un petit bug, certainement. Hop. Ah, un little chicken. Et bah voilà, on aura eu qu'un, c'est déjà pas mal. Hein.
ses probabilités d'avoir un petit poulet en lançant des œufs, c'est assez faible. Mais bon, là ça marche, donc parfait. Donc là, une bonne journée qui nous aurait été assez propice. Vous voyez, de toute façon, j'avance de plus en plus. Vous voyez très bien que je ne fais pas n'importe quoi dans les épisodes et que j'avance tranquillement, mais sûrement, et puis que ça évolue tout ça. Ça reste pas dans... Oui, bien sûr. Et que ça ne reste pas stagnant et que j'avance. Alors, on va cuire notre poulet. Et bientôt assez de bouffe pour faire une petite excursion encore... dans le sous-sol de notre monde, histoire d'aller récupérer du fer, parce que c'est surtout ça qu'on a besoin, du fer. La nuit, elle va tomber, donc on va aller faire nono. Voilà. Bonne nuit, les potis. Allez, c'est parti. Un réveil. Avec la trique. Avec la gaule. Bon. On est dehors, c'est bon. On est dehors, ça va nous rafraîchir les idées. Voilà, je pense que là, le zizi risque de devenir tout mou, là, d'un seul coup. Vu la chaleur de dehors. Et vu que notre personnage est un petit peu un clodo, enfin bon, trêve de bavardage, sur de conneries, non, jamais, avec moi, jamais. Ah bah tiens, on récupère au passage du charbon, de toute façon, on en est, on s'en fout, voilà, hein, je sais pas pourquoi, mais voilà, allez, pourquoi j'utilise une pioche pour ça, moi, je suis nul, voilà, un petit sable comme ça, sans tape le cul par terre, voilà, on récupère des graines, parce qu'on est des malades mentales. Est-ce que ça avance nos cultures là? Non. Bon. Ça devrait être. De toute façon, ça devrait avancer. Faut pas s'inquiéter. C'était. Il y a eu qu'un seul jour entre le temps où je l'ai planté et entre le temps où j'étais vérifié si ça avait poussé ou pas. Donc un jour, il peut pas se passer non plus grand chose. Voilà. Allez. S'inquiéter mon grand. Là, les poulets apparemment, ils sont toujours petits là, les petits chickens. C'est pas grave. Ils vont bien finir par grandir. Je sais qu'ils mettent du temps à grandir aussi. Là, ça va nous prendre quand même pas mal de temps. Et on a de la bouffe. Et puis on va aller s'aventurer plus loin. Et on va aller buter la vache si on en trouve. Oh, des citrouilles. Bueno. Allez, c'est parti. J'aime bien les citrouilles parce qu'on peut créer des golems de neige. Des golems. Des golems tout court. Enfin, vous savez, les espèces de trolls de pierre, on va dire. Je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Allez, je crois qu'il y a... Oh oui, du porc. Ah yeah! One pig! Yeah! Cochon! Yeah! Putain, je te bute! Fou, moi j'ai mes poulets vers chez moi, moi je vous bute tous maintenant, rien à foutre! Fais ma bouffe! Faim! Faim! Moi très faim, toi mourir! Yeah! Ma petite récolte à faim. Voilà. Mis à part ça, le plus productif à élever, c'est quand même les vaches. Avec le poulet, il est plus compliqué à élever, mais bon, c'est pas grave. Allez, je te bute aussi. Fait. Voilà, on aura fait une petite virée assez productive. Sur le coup, on va pouvoir descendre après dans les cavernes. Niveau bouffe, ça jouera encore. Il faudra vite qu'on trouve du fer, quand même, très très vite, parce que... En soi, le fer, c'est ce qui est un peu plus important quand on descend dans des mines, parce qu'en fait, grâce à ça, on peut vite se créer une armure. Et avec l'armure, on peut résister aux attaques des creepers, tout bêtement. Les creepers, c'est ce qui nous fait le plus mal et ce qui peut nous tuer le plus vite. Hein. Ouais, c'est de mon expérience personnelle, c'est ce que je crains le plus. Enfin, les autres me font beaucoup moins peur. Disons que sinon, ceux qui me font plus peur encore, c'est les Enderman. Les Enderman, tant qu'on les regarde pas dans les yeux, ils ne posent aucun problème. Réellement, aucun problème. Alors... Ok, là on va faire attention, on va ressortir l'épée. Non, c'est bon, que dalle. On risque rien, il n'y a rien à prendre non plus. Si j'aurais eu du fer, ça m'aurait arrangé, mais il n'y a que dalle. Par contre, là-dedans, ça pue. Putain. Oh non. Motherfucker, alors. On va mettre des torches. Toujours sur la droite, pour de retrouver la sortie. Parce qu'en fait, il faut savoir un truc. C'est que dans Minecraft, il y a une petite technique qui vous permet en fait de placer... Alors, si vous placez les torches toujours du même côté, vous ne pouvez jamais vous perdre. Parce qu'en fait, quand vous les placez par exemple toujours à droite ou toujours à gauche, vous savez... Enfin, vous savez que si vous vous retournez, les torches seront automatiquement à gauche. Donc vous savez que vous êtes dans le bon sens et que vous revenez vers la sortie. Voilà, je pense que vous avez compris là où je veux en venir. C'est-à-dire que vous placez les torches à droite en venant. Enfin, si vous allez dans le sens de la grotte, c'est-à-dire en vous enfonçant dans la grotte, en ne revenant pas sur votre chemin, bien, elles seront sur la droite, dans le sens où vous les avez mises. Et donc, si vous revenez dans l'autre sens, elles seront à gauche. Et donc, forcément, vous revenez dans le bon sens. Et vous revenez, enfin,
sens où vous voulez revenir, vous revenez à l'Amazon. Ah voilà, petite technique de Evanjad, pour ceux qui connaissaient... putain. Donc là du coup je les ai placés sur quoi? Sur la droite ou sur la gauche? Je les ai placés sur la droite, non? Et puis je m'en fous de toute façon. C'était juste pour vous donner le truc. Là, on va passer... Ouais, rien à placer parce que... Le petit son de pute là... Je déteste ce son sur Minecraft, d'ailleurs je la con. Ah là, il y a la bouffe là. Voilà, c'est bon, la bouffe. Febou, crow. Alors... c'est bon. Donc on va pouvoir revenir en arrière. Ok, donc là, je viens de là-bas. Je sais plus d'où je viens. Hein. Je crois que je viens de là-bas, là-bas au fond. Ouais, je pense que je viens de là-bas au fond. C'est parti. Oui, je viens de là-bas au fond, clairement, clairement. Oui, oui, non, c'est bon. Faut pas se perdre, faut pas se perdre. Surtout que j'ai pas encore de carte pour le moment, sauf que j'en fasse. Bah tiens, j'ai... Et oui, je pourrais faire des pages grâce au canne à sucre. Mais si j'en plante, normalement, faire un étang gelé, moi apparemment ça marche. Alors bon, on va voir. Vu que ça marche à côté de l'étang gelé, je sais pas s'il y en a un vers chez moi. Là-bas, il y en a. On va les placer ça là-bas, c'est proche de chez moi. On n'oubliera pas comme... Putain, pourquoi il y a un bruit de zombie là? Je déteste quand il y a un bruit de zombie comme ça alors qu'il devrait pas y en avoir. C'est pas logique qu'il y en a eu un là. Bon, c'est pas grave. On s'en fout. Quoique non, là, la cascade, je risque de l'oublier. Ouais, faudrait que je crée un étang moi-même. Ah non, bah tiens, là, bah oui, suis-je con. Allez, hop. Est-ce qu'on peut placer? Non, on peut pas. Si je casse ça, hop, voilà. Là, hop, je place ça. Voilà. Parce qu'en fait, faut savoir que quand on place des torches, en fait, ça empêche tout simplement que l'eau, en fait, se regèle, tout bêtement. Donc moi, c'est ce que je fais, comme ça, l'eau ne se regèlera pas. Voilà, c'est la petite astuce encore du Evanjad. Au passage, je vous passe des petites astuces, comme ça, que j'apprends au fur et à mesure de mes aventures, hein, faut le savoir aussi. Et au fur et à mesure que je regarde des vidéos sur YouTube, je dois avouer que j'ai appris pas mal de trucs en regardant des vidéos sur YouTube. Ça, c'est comme pas mal de personnes. Donc, vu que sur YouTube, de toute façon, c'est un lieu de partage. Forcément, ça nous permet d'apprendre des trucs d'autres personnes et des petites astuces comme ça, c'est assez sympa. Voilà, donc du coup, notre canne à sucre va pouvoir pousser. Là, donc là, on a de la canne à sucre, on a de la viande, et on va pouvoir avoir bientôt notre blé. Donc voilà, c'est parfait. Puis là, il y a mes arbres qui poussent. Ouais, c'est productif là pour le moment, c'est productif parce qu'il faut savoir aussi une chose. C'est comme je suis seul dans cette aventure, forcément, ça va être beaucoup moins productif que si j'étais avec un pote, quoi, tout simplement. Donc forcément, moi, mon aventure va être beaucoup moins dynamique que par exemple. Aventure où les mecs sont plusieurs, style Sifano, Frigiel, etc. Enfin, vous les connaissez, de toute façon, toute cette équipe, logiquement, ils sont bien plus connus que moi, logiquement, vous les connaissez. Peut-être pas tous, hein, évidemment, enfin, on peut pas connaître tous les youtubeurs du monde non plus, mais bref, vous en connaissez certainement qui font du Minecraft, et puis, en général, ces mecs-là, ils sont plusieurs, parce que ça va beaucoup plus vite, et pour une aventure, c'est mieux, mais bon. Et aussi, pour commenter, c'est plus simple, parce que sur Minecraft, y a pas non plus énormément de choses à dire, mais bon, j'ai toujours des trucs à dire, donc ça tombe bien. Poulet, voilà, on va remplacer encore 9. On va se bouffer un peu de poulet. Allez, c'est parti. Voilà, ça me fait un peu flipper là de me bouger dans une grotte tout seul là. Ça, je le sens pas trop en fait. Je sais pas pourquoi je le sens pas trop. De toute façon, je vais être obligé. Hein. Je vais être obligé. À moins que je trouve du fer tout près là, ça m'étonnerait. De toute façon, je devrais m'enfoncer plus dans les grottes parce que de toute façon, il faudra que j'aille chercher. Tout bêtement de l'obsidienne, et puis du diamant et tout ça, donc je vais être obligé à un moment donné de descendre dans les profondeurs de Minecraft, c'est Minecraft quoi, je vais être obligé. Hein. Par contre, pour descendre dans les profondeurs de Minecraft, je vais quand même faire un truc, parce que je sais que vous verrez rien, et qu'en général, c'est assez sombre comme jeu Minecraft, donc voilà, je mets en luminosité vive, sinon vous verrez que pouic, mais vraiment que pouic, donc voilà, c'est bon. Bon, on y voit quelque chose, et je risque de pas... trop me chier dessus, et vous verrez au moins quelque chose au montage, voilà. Ce qui est assez arrangeant tout de même, hein, de voir quelque chose dans une aventure suivie, c'est mieux de voir quelque chose. Alors, hop. Okay, y'a rien. On va quand même éclairer le coin, ça évitera des spawns près de la maison. Voilà. Fuck. Au passage, on va récupérer tout le minerai qu'il y a là, histoire de refaire plus de torches encore de ce que j'ai laissé là-dedans. Voilà. Histoire de se faire plaisir. Voilà. Tout simplement. Oh, plein d'XP, ça fait plaisir. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il va me falloir de l'XP pour enchanter mes armures, etc. Parce que je compte bien les enchanter. Histoire de résister un peu aux explosions de creepers, etc. etc. Il va me falloir des tables d'enchantement, des machins. Bref, logiquement. Alors bon, je sais pas si je vais arriver jusque là, hein. Moi je promets rien, mais logiquement là, vu comme c'est parti, j'ai pas l'air d'être parti pour mourir tout de suite, du moins, donc. Je pense que ça devrait gérer un petit peu et on va bientôt pouvoir passer dans les choses un peu plus sérieuses de Minecraft là bientôt. Et
pas encore là, je le sens pas encore tout à fait. J'ai aussi créé des échelles, ah bah oui, il me faut beaucoup de bois, hein. Il faut beaucoup de bois de toute façon. Alors c'est parti, on va récupérer encore du bois. Ça c'est obligatoire dans Minecraft, hein. C'est du bois. Et moi je ne ferai aucune ellipse, hein. Ça c'est clair et net, je ne ferai aucune ellipse. Vous allez suivre cette aventure jusqu'au bout ou vous ne la suivez pas, c'est tout simple. Moi je pense que si vous êtes là, de toute façon c'est pour suivre de tout quoi, parce que vous connaissez Minecraft, vous savez ce que c'est, et puis en général vous savez tout ce que j'ai à vous raconter et toutes les conneries que j'ai à vous dire. Ce qui est tout à fait logique, même si depuis tout à l'heure je raconte un peu toujours de la merde, mais bon c'est pas grave. Sinon, ce que j'ai à vous dire là en ces temps, c'est que je suis assez content de la de ce qui se passe récemment là sur YouTube, parce que j'ai eu une petite vague de trolls récemment, bon ça arrive. Et puis ben d'un coup j'ai eu une vague de soutien, puis maintenant j'ai une vague où justement où tout se passe bien sur YouTube. J'ai de nouveau de plus en plus d'abonnés, j'ai de nouveau de bons commentaires trop sympas, des trucs super, mes projets sont bien accueillis, etc. Donc là, je suis très content de ce qui se passe en ce moment sur YouTube. Puis je suis de nouveau réinspiré pour faire des vidéos à fond, j'en fais plein, histoire de vous faire plaisir. Simplement, j'ai vu que Minecraft, ça vous a super plu. Et je me suis dit que bah pourquoi pas continuer à fond sur ce jeu. Bon, pas faire que du Minecraft, hein, évidemment. Je vais en faire pas mal, comme Skyrim, hein. Enfin, Skyrim, ça c'est ma base sur un peu ma chaîne, enfin, donc c'est ma base dans le style où j'aime bien faire du Minecraft, quoi. Après c'est sûr que c'est pas la base de ma chaîne, c'est le multigaming, mais j'avoue que c'est un jeu qui m'inspire beaucoup, Skyrim, tout de même, je peux pas dire le contraire. Alors, ah bah disons, cet épisode va bientôt se conclure déjà. Et bah dis donc, ça va vite quand même, 15 minutes, hein, c'est un truc de dingue. En tout cas, ouais, on avance vraiment lentement, je trouve quand même, hein. À coup de 15 minutes, c'est vrai qu'on avance pas beaucoup, mais bon, je pense que là, si on était plusieurs, franchement, on verrait le truc avancer bien plus vite. Mais là, sur le coup, c'est vrai que c'est lent. Allez, oh putain, allez, ouais, j'ai ouvert une porte, je suis un malade mental. Et on va se faire encore de la lumière, truc qui sert à rien, mais c'est pas grave, j'avais envie. Ah, il est joli quand même ce jeu, il est joli ce jeu, cette petite, ce pack de textures surtout est joli, le jeu en lui-même je le trouve pas très joli, enfin, le pack de textures de base Minecraft est pas très beau, enfin, moi je trouve perso. Enfin bref, je crois que cet épisode touche à sa fin, enfin je crois pas, je suis sûr, j'espère qu'il vous aura plu, allez, à plus tout le monde. Putain j'en ai mal, toujours mon père qui tousse derrière, c'est horrible, cette aventure va être bourrée de... Oh putain, allez, à plus tout le monde, à la prochaine, ciao. Maître Fing Chung entraînait ses élèves hors d'une rivière à la cime de l'Himalaya. Même s'il n'y a pas de rivière à la cime de l'Himalaya, Maître Fing Chung en avait trouvé une.